Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Donc, il y a Spotify qui joue de la musique, je viens de l'arrêter. Donc, je faisais une petite approche, un petit vol depuis l'aéroport de VOMM à l'aéroport de Bangkok, VTBS. Donc, voici l'aéroport là. Nous sommes tranquillement en approche. Nous allons contourner. Bah, nous allons aller tourner et revenir en opposé. Voilà, donc je dois intercepter bientôt le glide. Je vais corriger ça tout de suite. Et on va continuer. Bon là, il faut qu'on continue notre descente. Tiens, jusqu'à 3 500 pieds, histoire d'intercepter le lock. On reprend tranquillement la descente. Ok, donc l'altitude, le barométrique, il est 7, tout est bon. Je suis en train de remarquer qu'il y a un petit problème sur ma route ici, là, parce qu'après Wokal, on a du Vectorine. Ok, donc après Tapa, j'ai Wokal, et après Wokal, j'ai du Vectorine pour rejoindre la piste. Donc, je vois, donc je vais devoir utiliser du Hazing pour intercepter le truc. Dès que je check Tapa. Ok, d'accord. Donc 4000 pieds à bord pour le point 8K. Y a pas de souci. Ok, tranquillement, continue notre descente. Okay. J'ai actuellement 2,8 gallons. Qu'est-ce qui s'est passé sur cet écran? J'ai dû appuyer quelque chose. Là. Voilà. 2,8 gallons alors que. Qu'est-ce qui était prévu pour l'arrivée? Bon, plus que ça. Ok, il n'y a pas de souci. Continue quand même. Voilà, donc on sort sur la baie, sort sur la mer. C'est vraiment beau. Donc apparemment l'aéroport il est très fréquenté, il y a beaucoup de personnes qui font actuellement des vols là. Donc il faut que j'écoute bien la communication pour pouvoir savoir m'insérer dans le trafic. Donc arrivé au point Wolka. Ça va pas être facile de tourner. Ce que je vais faire, il me dit Vectorizing. Ce que je vais faire, je vais lui dire de faire un direct. J'exécute. Donc arrivé là-bas, il va tourner, il va faire un direct. Je pense que c'est mieux comme ça. On continue, pas tout respecter. Au niveau de l'étici, je vais laisser ça ouvert pour voir ce qui se passe. Alors je vais aller voir la checklist. Voir si on a rien oublié. Donc pour l'approche altimètre, check localizer frequency, c'est bon. Localizer code, c'est bon. Approach mode arm, c'est bon. Landing gear down, triggering. Donc après avoir tourné, nous allons penser au landing gear. Standby for ça. Flaps, on va prendre flaps 10. Flaps, non, il me dit actuellement je dois avoir les flaps 15. Bon, je vais le faire par rapport à la vitesse. Speed brake arm. Second autopilot arm, if auto land, engine start switch on continuous, and landing flaps set. Ok. Donc je vais faire ça dès maintenant. Je vais commencer par faire tout ça là maintenant. Donc l'approche mode, je le réarme encore. Notre avion. Oh, attention. J'ai déconnecté le pilote auto. Beaucoup d'appareils sur cet aéroport. Mon petit casse, il est bien allumé. Ok, bon. Donc on va commencer par sortir les volets. Pour l'instant, voilà.
Même, bon, les deux. Les speed brick, on va les armer. C'est armé. Donc on est en train de s'aligner gentiment sur la piste. J'attends de capturer le glide slope. J'espère que je vais bientôt le capturer. L'ILS. Attendez. Mais l'ILS, la fréquence a changé. Non, c'est bon. 110.10. Il me met autre chose là. Attendez. Ouais, c'est ça, 70.10. Non, apparemment la fréquence de l'ILS est différente. Pas grave, pire je le ferai en manuel. Ouais, ça c'est mon petit casse, je savais qu'il allait gueuler. On a un trafic en bas de nous. Donc là il me dit de climb, normalement avec le truc rouge là, il me dit en fait de climb pour pouvoir éviter le trafic qui arrive. Y a pas de souci pour l'instant. Increase Increase climb. climb. Ça fait dirait que l'avion il est passé, voilà. Voilà, je pense que c'est lui. Flaps 10. Alors on n'a toujours rien capturé, donc apparemment. Ouais, il me demande de mettre la gearbox. Pas de soucis, je vois la piste, je vais le faire en manuel. La sortie des flaps, j'attends qu'on me donne l'autorisation. Bon, normalement je dois tourner ici à gauche, voici la piste au 0 en droite. Ah, il a capturé finalement le voir. Encore un autre trafic devant. Finalement l'aéroport là. Non, speed control. Et combien il me dit comme speed pour atterrir? 137 nœuds. Voilà, je vais mettre 137 nœuds. De toute façon je vais le prendre en manuel. Checked. De toute façon, je vais le prendre en manuel, c'est bon. Allez, donne-moi la clairance. Bon, je vais le faire plus tard. On se concentre pour le prendre en manuel. Bon, je vais voir si ce truc peut m'aider aujourd'hui. Bon, c'est pas mal. Ça permet de garder les yeux dehors, mais ça cache un peu. Donc, je vais le faire ça. Bon, je pense que tout est bon. Voilà, les autobrakes, on les met sur 1. La piste est assez longue. Voyons voir si on a la clairance. Toujours pas. Bon, je pense qu'il est temps de le prendre en manuel. Allez, les gears sont dans, tout est bon. J'ai désactivé le pilote automatique. Oh, immédiatement il tangue sur la. Voilà, là je suis bien aligné, la vitesse. Donc je vais désactiver l'auto-trotter. Comme ça je vais pouvoir le prendre aussi en manuel. Donc le glide il est bon. Auto-trotter off. J'acknowledge. Donc là je gère la puissance moi-même manuellement. Là, je suis un peu trop à gauche. On va garder 130, 135. Un peu trop bas et un peu trop à gauche.
J'ai l'impression que le... Comment dit-on? Les trims du 737 prennent leur temps avant d'agir. Attention, maintenant je vais overshooter, ce qui n'est pas bon. Clear to land runway 01 right, are you 122 Charlie? 1000 trucs. Je corrige. Les gaz sont bons pour l'instant. On voit que le maniement des gaz n'est pas très difficile vu que c'est. Je commence pas à être gros, je commence pas à redescendre. L'avion est assez stable, la météo n'est pas très mauvaise. Traffic. Traffic. C'est bon pour l'instant, 49, je suis un peu rouge, je réduis un peu les gaz, je corrige le trim. La piste est longue, on s'inquiète pas. Je réduis un peu les gaz. À chaque fois que tu tournes les gaz, il faut que tu retrimes. Je suis un peu à droite, là je corrige à gauche. 400. Il faut rendre checked. 300. 300 checked. Approaching minimums. Continue. 200. Minimums. Landing. Checked. Je commence ma transition. 50. 30. 20. 10. Speedback up, manual braking. Ah, vraiment, je suis désolé, hein. J'aurais aimé que tu vois le landing. Donc on va hésiter quand même. J'entre les speed brakes, je commence par rétracter les flaps. Je peux vaquer par ici. Bon, on va donner en haut. Going to 121 decimal 65 REU 122 Charlie. Non, je suis en train d'aller au parking comme ça. Donc la PV est démarrée, je vais couper un moteur. Ça c'est super parce que la compagnie a demandé d'utiliser un moteur pour taxi. Et je suis arrivé sur un aéroport qui était super, l'aéroport de Bangkok. C'est, il y a beaucoup de personnes qui volent ici quoi. Donc c'était, l'approche était crowded, il y avait plein d'avions, c'était vraiment beau.
parce que tu me... Moi, je pense pas que c'est ici. Non, moi, je pense que tu m'as gentiment. Bon allez, on éteint le feu avec toi. Beaucoup de temps. Un peu compliqué à maintenir en ligne droite, avec il y a un moteur qui pousse et pas l'autre. Voilà, nous sommes arrivés. Apparemment, hein, c'est peu d'un côté. Bon, on va les suivre. On va les suivre à nos amis. Non, l'électricité à gauche, on va faire passer sur la P. On a avancé un peu trop les gaz là. Le truc c'est pour tourner à gauche, il fallait que je pointe les freins et que le moteur est à gauche et qu'il pousse aussi. Et cela nous a fait perdre beaucoup en vitesse. Les freins, je veux dire. Le 7, c'est clairement pas le 7 que j'ai pris là. Oh, attention, reviens, reviens, reviens. Difficile de tourner à gauche, mais très facile de tourner à droite. Ouais, quand on taxi avec un moteur, on doit faire attention. Par exemple, ici, je m'inquiète pas trop. Je sais que même en étant comme ça, je vais pouvoir prendre le virage. Regardez, juste au palonnier, hein. Sans prendre les freins, ça passe déjà plutôt bien. Là, j'ai pris un peu les freins quand même. Tourne encore à gauche, un long taxi, hein. Heureusement que j'ai coupé un moteur là. Ah oui, là par contre c'est compliqué, il faut avancer la puissance, faut prendre le frein à gauche, voilà. Je perds beaucoup en vitesse, donc voici notre gate là-bas, d'accord. Donc je sais pas si on peut déjà trouver un truc à faire dans FS Action. Donc les grands services, pas encore. Fuel, donc on peut rien faire encore, je suis d'accord. On sait bien que notre dernier virage soit à droite. Monteur gauche va nous aider ici.
Allez, avec un peu de frein. Voilà. Ne commence pas à ralentir quand même. Devait être plutôt à l'intérieur de ce truc. Mais bon, c'est pas grave. On met le parking brake et on éteint le second moteur. Donc se terminera bientôt. C'est bien, pas grand chose à faire ici. Le taxi là qui est fort. Ici on passe sur la paix. L'anticollision on laisse allumer pour l'instant. Le moteur là aussi on passe sur off. En hydraulique. Bon, si je veux faire un quick turn arrange, je le garde allumé quand même. Contrôle 3 ici, voilà, donc payload doors, donc doors, j'ouvre la porte ceci, les armements, les toboggans et tout, tout. Pour le ground service, donc apparemment, je dois mettre les chocks, le caisse maintenant de jetway, et le caisse de ground power unit. Donc bien sûr j'ai besoin du service de lavatory et d'eau potable pour le fuel truck, pas encore. Le jetway est 156, donc les passagers maintenant doivent sortir. Je mets 0, j'entre ici et diplane, je start diplane. Donc les galets aussi, je vais demander les galets, je vais demander Arrival hold. Pourquoi hold? Peut-être parce que les passagers sont en train de débarquer. Passenger bus. Non, je vais utiliser le jetway, pas le bus. Il y a une de mes lampes on return line qui est allumée. Ah, non, pardon, c'est le landing, désolé. Donc c'est bon, les moteurs sont éteints, donc on passe ici sur off. C'est bien, les strobes, on les garde pour l'instant comme ça. On a terminé notre vol. Voilà. Cold and dark. Les passagers sont en train de débarquer. On est tranquille. Je vais venir voir. Le vol est rentré, booké. On a touché le sol à moins 300 pieds par minute. On peut faire mieux. On peut beaucoup faire mieux. Mais c'est pas grave, on s'améliore. Hier c'était pire. Donc on s'améliore tout doucement et je suis sûr que ça va aller. Donc ce qu'on va faire pour le prochain vol, je pense que je vais aller acheter l'abonnement de Navigraft. Tu cherchais une scène pour ça, installer une scène pour ça, ça va être très joli. Ce que je vais faire maintenant pour toutes mes prochaines destinations, je vais essayer d'installer des scènes. Voilà. Là, c'est un autre qui décolle là. Il décolle ici, on va un peu le voir de plus près. On entend le son et tout, mais on voit pas l'appareil. Bon vol. Et nous nous sommes garés là, quelque part. Hey yo, Sparks, you back at it again. I can fall.